9 activités programmées pour cette 9e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Un nouvel an, année du chien, selon le calendrier lunaire chinois. L'année 2017, c'est l'année du coq, parce que pour l'année chinoise, ce n'est pas encore terminé. Parce que l'année du chien, qui arrive bientôt, ce sera le 16 février, le premier jour de l'année du chien. Des 9 activités au programme, 3 sont exceptionnelles pour cette 9e édition. Cette année, nous avons introduit pour la première fois une activité sportive. La Coupe de la fête du printemps, qui n'est rien d'autre qu'une compétition internationale de tennis de table. La quinzaine de la culture chinoise qui sera organisée à l'espace TIFF et qui se scinde en 2 activités majeures, à savoir une exposition et une semaine cinématographique. Le vendredi 2 mars 2018, de 18h à 21h, on aura pour la première fois le marché du Nouvel An chinois. Nous organisons cette activité également avec l'Institut Confucius. À cette diversité du programme disponible au Centre culturel chinois s'ajoute la prospérité attribuée à l'année du chien. Cet animal étant considéré par les Chinois comme ami fidèle et prospère de l'humain. Wang signifie prospérité en chinois, une onomatopée qui ressemble à l'aboiement des chiens. Et pour répondre aux vœux pour cette année du chien, on dit Wang, Wang, Wang.